Bonjour, bienvenue pour cette quatrième séance. Je vous présente mon fils Luca, U10. Bonjour. Voilà, on est parti pour cette quatrième séance à travailler la maîtrise du ballon, la conduite de balle. On va travailler semelle, intérieur, extérieur du pied. On est parti pour l'échauffement directement sur ma gauche. C'est parti. Allez, pour l'échauffement, j'ai tracé un petit carré de 2 sur 2. On n'a pas besoin de plus d'espace. Simplement, on va travailler la semelle. Donc, on va mettre le pied sur le ballon. On va faire devant, derrière, devant, derrière, sans bouger. À chaque fois, on le prend, on le ramène. D'abord, uniquement pied droit. Et ensuite, on le fera uniquement pied gauche. Devant, derrière, devant, derrière. Arrêtez. OK? Deuxième variante, toujours de la semelle. Donc, on prend de la semelle et on le récupère pied droit. Prendre de la semelle, je récupère pied droit et je l'avance. Pied droit. À chaque fois, intérieur, pied droit. Je prends une semelle et je... Voilà, je fais reculer mon ballon et je le reprends pied droit. La même chose, bien évidemment, pied gauche, semelle et je reprends. Semelle et je reprends, pied gauche. Allez, troisième variante pour l'échauffement, continuation. On est parti, toujours semelle, je récupère semelle et je pars un peu sur l'extérieur. Je remets mon ballon en place, semelle et je pars sur l'extérieur. Semelle et je pars sur l'extérieur. Ensuite, bien évidemment, je travaille pied gauche, semelle et je pars sur l'extérieur. Je remets mon ballon en place, semelle et je pars sur l'extérieur. Et ainsi de suite. Et quatrième variante, ça s'appelle lever, simplement prendre la semelle droite, la ramener sur l'intérieur pied gauche, avancer son ballon, la reprendre semelle droite et l'avancer intérieur pied gauche. Regardez, voilà, voilà, je la prends semelle gauche et je la fais avancer. Je la prends et je la fais avancer. Je la prends et je la fais avancer. Normalement, ça doit faire comme un V. Voilà, bien maîtriser son ballon. Allez, on est parti pour le premier exercice, conduite de balle, donc uniquement presque semelle. On est parti, on a disposé les plots, 4 plots. En diagonale, un petit slalom zigzag. On va vous montrer directement la démonstration. Il y a une partie qui se fera intérieur, semelle, droite. On conduira normalement et ensuite semelle droite. Une fois qu'on aura fait demi-tour, on va travailler la semelle gauche et la conduite de balle normale. On est parti. Allez, on est parti pour ce deuxième exercice pour cette séance. Ça va s'appeler conduite de balle relativement accélérée avec une prise d'information. Comme vous pouvez le constater, j'ai passé des portes blanches avec des coupelles jaunes. On est dans l'obligation de faire dans l'ordre coupelle jaune, porte blanche, coupelle jaune, porte blanche. Je suis dans l'obligation, dès que j'ai passé ma porte blanche, d'aller voir une coupelle jaune. Une fois la coupelle jaune où j'ai été la voir, je fais le tour et je prends la direction directement d'une porte. Démonstration directement. Allez, on est parti pour ce troisième exercice, maîtrise du ballon. Donc maintenant, j'ai disposé quatre coupelles de couleur blanche, quatre coupelles de couleur jaune. L'objectif, ça sera dès que je vais arriver à une coupelle, je me suis dit blanc, je fais l'intérieur du pied droit, le tour de la coupelle. Pour la coupelle jaune, je fais le tour de la coupelle intérieur pied gauche. Et je retravaillerai la même chose avec les mêmes couleurs, mais de l'extérieur du pied. Donc je me dirai blanc extérieur pied droit, jaune extérieur pied gauche. Tout de suite, on vous montre la démonstration. C'est parti.
Allez, quatrième et dernier exercice pour cette séance, c'est de la conduite de ballon. On va mettre énormément de vivacité, beaucoup de maîtrise du ballon. On va travailler beaucoup les deux pieds, intérieur, extérieur. Vous allez voir, il y a du changement de rythme, du changement de direction et beaucoup de maîtrise de ballon sur cette conduite de balle-là. Démonstration tout de suite. Voilà, c'est terminé pour cette séance. Merci Luca pour ces démonstrations. Est-ce que ça t'a plu? Ouais. Voilà, c'était bien sympa en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi prochain pour faire la séance. Et ce coup-ci, ce sera peut-être Loïsa qui la fera. Merci pour tout. Et à très bientôt pour la séance du mercredi. Ciao à tous. Non.